font un petit tour, ils courent, enfin, ils regardent leur parcours, quand j'ai mis le cheval. Et après, ils font une grande course pour venir. Je leur dis de où ils doivent partir pour aller aborder le 1, en fait. Parce que je ne veux pas qu'ils fassent un rond. La preuve, c'est que les trois quarts du temps, le 1 se passe correctement. Part avec la Tina, quoi. Elle est très spéciale, la Tina. Je pense que ses poulains seront des bons poneys de concours, mais elle... Après, elle va dormir. Ça. Ouais. Toi, là, il marche. On marche. Aubaine, il ne faut pas la gêner, elle a un petit encolure. Le cavalier, il est trop en avant quand on va faire des gros sauts, c'est le surfeur des épaules. Il faudrait qu'elle frappe encore plus fort pour aller encore plus haut après. Raccourci terrain, elle arrive bien droit, regarde ta ligne, ta sortie de ligne, on regarde pas l'obstacle, on va sauter, c'est parti. Ah ben débrouille-toi, t'es toute seule. Sois efficace avec tes jambes, regarde où tu vas, conduis avec tes deux mains. Redresse-toi, contrôle avec tes deux mains, jambe droite. Attention à pas gêner là, le 3. Avec tes jambes! Lève-toi! Allez! 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 On dit tipi, tipi, mais. Mais non, mais c'est pas vrai! Non, il a pas! Il a pas de jambes! Tes jambes! Allez! Oui, bah ici. C'est pas assez tenu. Allez, il voit trop tard. Allez, il voit trop tard. Allez, il voit trop tard. Ah ouais, il a pas de temps. Il a mis dessus, putain, il a l'air. Allez,